Bonjour, je vous remercie d'être venu déjà très nombreux pour ce je ne sais pas quoi en vérité. Si on était pessimiste, on pourrait le définir comme la conjonction de deux négativités. Premièrement, le dernier séminaire, voilà qui est négatif. Deuxièmement, mon âge, je ne me prononcerai pas. Mais en tout cas, on peut dire que nous célébrons ici la dernière journée avant que je sois octogénaire. Et donc, je suis très heureux de passer cette dernière journée avec tant de monde, avant de commencer ce que j'espère être une quatrième vie. Alors, en vérité, c'était un problème pour moi de savoir ce que c'est que le dernier séminaire. Et je voudrais en redire un mot sur ce point. Depuis, en réalité, les années 70, donc il y a tout de même pas mal de temps, mon séminaire a toujours été, en un certain sens, la partie vivante, publique, adressée de ce qui était par ailleurs l'œuvre écrite sous la forme des volumes fondamentaux de mon système philosophique. C'est-à-dire, il y a eu les séminaires qui ont en réalité donné, produit Théorie du sujet en 1982. Il y a eu les séminaires qui ont préparé de longue date des la fin des années 70, L'être et l'événement, qui est paru en 1988. Il y a eu les séminaires qui ont préparé Logique des mondes en 2006. Et puis, les séminaires, les derniers séminaires, la dernière vague de séminaires, sous le titre d'ailleurs de L'immanence des vérités, préparaient le livre qui va s'appeler L'immanence des vérités, et dont on nous a, je crois, et j'espère distribuer le plan. Alors vous voyez qu'en réalité, il y a toujours eu, dans ma trajectoire, une sorte de relation dialectique qu'on pourrait dire, une dialectique tout à fait caractéristique de la philosophie, qui est la dialectique entre l'oral et l'écrit. Vieux problème platonicien lui aussi. C'est-à-dire que la philosophie, finalement, a son essence dans le dialogue, la discussion, la persuasion des interlocuteurs, ou bien est-ce que la philosophie, c'est en réalité des traités systématiques publiés et écrits. Et de Platon à Derrida, cette question est constamment agitée, soit dans un sens, soit dans l'autre. C'est-à-dire soit dans la perspective du privilège de l'oralité, ce qui est en réalité la position de Platon, hein, soit dans la visée d'une supériorité de l'écrit, ce qui est par exemple la thèse de Derrida. Et donc, on peut dire qu'avec ce système du séminaire adressé et dialogué d'un côté, et puis des gros traités systématiques de l'autre, j'ai, comme souvent, adopté une position centriste. C'est-à-dire une position qui consiste à n'être ni vraiment d'un côté, ni vraiment de l'autre, ni un sectateur de l'oralité, ni un sectateur de l'écrit. Alors, dernier séminaire, du coup, s'entend en deux sens, c'est-à-dire, du côté de l'oral, c'est le dernier séminaire que je prononce, en particulier dans ce lieu, et du côté de l'écrit, ça suppose quand même la thèse que l'immanence des vérités est le dernier de mes grands livres philosophiques. Voilà. Et que d'une certaine manière, il y a quand même dans cette décision d'arrêter les séminaires, non seulement quelque chose de tactique et d'immédiat, qui est bon, voilà, j'ai assez fait de séminaires, je vais faire autre chose, mais il y a de façon plus essentielle l'idée que la construction philosophique, proprement dite, c'est-à-dire celle qui n'est pas intervention politique, tentative théâtrale, etc., mais celle qui est vraiment la construction systématique de la philosophie, parvient à son achèvement avec l'immanence des vérités. Et donc nous célébrons ici la forme d'une fin très particulière, qui serait en fait la fin de mon activité philosophique proprement dite.
c'est-à-dire de l'activité qui consiste à proposer et à offrir à la discussion générale une configuration philosophique. Et ça, je crois que c'est vrai parce que en général, quand je suis en train de finir quelque chose, j'ai l'idée de ce que je vais faire ensuite. Tandis que, écrivant l'immanence des vérités, je n'ai réellement plus l'idée de ce que je pourrais faire ensuite dans ce registre-là, dans le registre philosophique. Et pourquoi j'ai plus cette idée ? Parce que, comme ça de le dire en quelques mots, l'immanence des vérités, c'est en réalité une philosophie de l'absolu. Et alors, évidemment, après l'absolu, on voit bien que rien ne vient qui ne soit sinistre, n'est-ce pas ? Il ne resterait plus qu'à faire une théorie de l'enfer. Mais ce n'est pas ma vocation. Et donc, en réalité, nous sommes bien là pour accompagner, célébrer, vivez-le comme vous voulez, mais quelque chose qui est quand même dans une figure de fin, du point de vue de l'intériorité à la philosophie elle-même. Alors je voudrais, en quelques mots, dire quelles ont été les étapes et pourquoi c'est une fin. En réalité, théorie du sujet est comme une sorte d'introduction à l'ensemble de la construction, en même temps que c'est un résumé abstrait ou une projection philosophique des années rouges, c'est-à-dire la période activiste proprement dite, telle qu'elle s'est constituée après 68. Donc c'est une sorte d'introduction récapitulative. Ensuite, l'être et l'événement, c'est une théorie de l'universalité des vérités. Et c'est une théorie qui essaye de légitimer la validité du concept d'universalité contre les relativismes contemporains, les culturalismes, etc., les identités, et qui essaye de montrer, mais de façon tout à fait singulière, comment l'universalité est liée, doit être liée, à une théorie des vérités, bien entendu, mais aussi à une théorie singulière du sujet. Alors l'ensemble, c'est sujet, être, vérité, mais tout cela enveloppé dans une proposition qui est une proposition de réhabilitation du concept de l'universalité, du concept de l'universel. En un certain sens, Logique des mondes, qui vient après, est une expérience un peu contraire, puisqu'il s'agit de montrer même que même tout ce qui est universel surgit toujours, apparaît toujours dans des mondes particuliers. Alors, il faut résoudre donc le problème. Comment se fait-il qu'il puisse y avoir des propositions universelles qui n'appartiennent pas du tout à un autre monde ou à d'autres mondes séparés ? C'est pas le sensible ou l'intelligible, c'est pas le concret ou l'abstrait, c'est rien de ce genre. C'est la construction des vérités elles-mêmes qui se fait toujours avec les matériaux d'un monde particulier. Alors, Logique de monde tente d'expliquer ce point en commençant par se demander qu'est-ce que c'est qu'un monde particulier. Donc c'est une théorie de la particularité, en un certain sens, venant après la théorie de l'universalité et avec la question de la jonction entre les deux. Comment telle ou telle vérité, qu'il s'agisse d'un théorème de mathématiques ou d'une tragédie ou d'une passion, comment telle ou telle vérité peut-elle prétendre être universelle alors qu'elle est née, a été construite, édifiée, réalisée dans les matériaux d'un monde particulier ? Et puis, la dernière étape, celle qui est celle de l'immanence des vérités, c'est la construction d'une autre idée qui est que, en réalité, vérité est une notion ou un concept qui exige qu'on sache ce que veut dire l'absolu. Alors on pourrait résumer ça en disant que j'ai d'abord parlé de l'universalité des vérités, j'ai parlé ensuite de leur particularité, et il s'agit de parler en troisième lieu de leur absoluité. Voilà. Parce que si les vérités ne sont pas absolues, ça veut dire qu'elles restent collées en un certain sens à la relativité dans laquelle elles sont nées, et par conséquent, de proche en proche, ça se dégrade jusqu'à remettre en question l'universalité elle-même. Donc il est absolument nécessaire de cramponner l'universalité à l'absoluité, en passant par la particularité, triplicité un peu hegélienne, après tout, mais ça ne me gêne pas particulièrement, mais qui, en tout cas, fait que, parvenu au moment de l'absoluité, eh bien, voilà, il importe de s'arrêter. Et c'est de cet arrêt
vous êtes en quelque manière aussi les témoins. Alors, un mot sur comment tout ceci va se présenter après cette introduction générale. En réalité, l'essentiel de ce que je dirai, moi, partira du plan général de l'immanence des vérités que vous avez pour en faire ressortir quelques traits, quelques points, avant même, évidemment, la parution du livre dans son entier, puisque ce livre n'est pas encore terminé. Je le dirai en plusieurs fragments, plusieurs moments, peut-être principalement du côté, en fait, de l'heure habituelle de mon séminaire, en fait, après la pièce de théâtre. Je souhaitais, par ailleurs, que nous ne soyons pas là dans l'atmosphère d'un colloque académique. Ça, il sera toujours temps, quand j'aurai fini mon œuvre, qu'elle soit célébrée dans les formes, par l'assentiment ou le dissentiment des collègues, les critiques sévères adressées de toutes parts, les examens minutieux de telle partie fragile du système, la contestation des interprétations données des grands philosophes, etc., etc. Après quoi vous sortez moulu et démembré, et vous êtes dans ce que Kant appelait le champ de bataille. Kant a toujours décrit le rapport entre philosophes comme ceux d'un champ de bataille. Alors, évidemment, quand vous faites le colloque, sauf si vous avez trié soigneusement, évidemment, les combattants, vous êtes sur le front. Là, vous voyez, nous sommes en un certain sens quand même, principalement dans l'adresse et dans l'amitié. Et par conséquent, je ne souhaitais pas du tout que ce soit un colloque, et je ne souhaitais pas non plus que ce soit principalement ou exclusivement un séminaire. Et donc, comme toujours dans ce cas-là, je me suis dit, il faut remonter plutôt vers les conditions de la philosophie que vers le développement de son procès. Et alors, il faut évidemment se référer à ces deux interlocuteurs majeurs de la philosophie, parce que ce sont les plus difficiles pour elle, qui sont le théâtre et la musique. Et donc, nous aurons, de façon capitale, nous aurons du théâtre et de la musique. Et tout de suite, d'ailleurs, sans tout à fait quitter la philosophie, je vais laisser la place au théâtre comme une ouverture festive de tout ce qui doit être dit aujourd'hui. Et pour ne pas abandonner complètement la philosophie, il s'agira de Abed, philosophe. Abed toujours. Il n'en a pas l'air parce qu'il a son bâton. Ahmed, philosophe.
Ahmed, philosophe. Bon. Il va certainement se passer quelque chose. Vous ne sentez pas? Le monde est en déséquilibre. Il n'est pas exactement à sa place. Les gens sont bizarres. J'ai croisé l'affreux moustache et il a oublié de me dire que moi, Ahmed, j'étais de trop à Sarges-les-Corneilles. Que les Arabes devaient rentrer chez eux par le prochain bateau. Il a rien dit, moustache. Bah, je crois même qu'il m'a fait un petit salut. Un salut de moustache à Ahmed? Non, ça dépasse l'intelligence. Bon, j'ai croisé mon ami Rhubarbe. Et il a oublié de me dire qu'il respectait ma différence. Que ma culture n'était pas la sienne, mais que toutes les communautés culturelles, raciales, tabagiques et vitupérantes devaient se rassembler les unes les autres et se respecter, que les unes devaient tendre la joue droite quand les autres leur filaient un coup de pied sur le sternum gauche. Il a même oublié de me parler des droits de l'homme, Rhubarbe. Et pas un mot sur l'éthique, motus sur la démocratie. Ah, il était bizarre à un point. Bon, j'ai croisé aussi ma copine Fenda, la noire en boubou, bleu ciel et or, qui s'en vint d'Afrique à Sarges-les-Corneilles pour mettre dans la blancheur fade un peu de splendeur droite et de volupté. Eh bien, elle était bizarre. Elle a oublié de me dire que nous, les Arabes, question femme, il faudrait peut-être qu'on devienne adulte. Que si on croit avoir la paix et la sécurité en enfermant la beauté dans la maison et en la couvrant d'un voile quand elle sort, ça n'est que la preuve que nous sommes des enfants, qu'avec un seul œil et trois cheveux égarés, toute femme est capable de dire son désir à qui elle veut et plus radieusement que nue. Eh bien non, elle ne m'a rien dit de tel, Fenda. Je crois même qu'elle m'a dit, murmuré, bien, Ahmed. C'est incroyable. Bon, moi-même, je suis bizarre. Je me suis levé ce matin et ben, je n'avais aucune idée géniale. Non, voler son chapeau à une préposée aux contraventions, bof. Saboter les élections à la chambre de commerce en remplissant l'urne d'eau de vaisselle, pas la peine. Vider quatre fois le supermarché en faisant croire à des attentats à la bombe, oh là là, non, 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 ça m'ennuie d'avance. Ou alors faire circuler des photos de femmes nues pendant la réunion du conseil municipal. Mais déjà fait, 100 fois. Pff, quelle fatigue. Non, ben rien ne me tente aujourd'hui. Je suis heureux. Je suis vidé. Bon, j'attends. Il va certainement se passer quelque chose. Vous-même, là, devant moi, vous êtes bizarre. Bah, qu'est-ce que vous faites là, assis, aligné sur des fauteuils, à me regarder, hein? Bah, vous vous dites qu'il va se passer quelque chose, sinon vous seriez à vos affaires. Bon, on est là pour attendre ensemble, attendons. Mais où ça va arriver?
C'est ça qui me turlupine. Ça va arriver, j'en mets ma main au feu. Mais où? Au fond? Tout au fond? À droite? En haut? Là-haut? Mais c'est dur de ne pas savoir où. Quand vous savez où ça va arriver, vous vous préparez, vous consolidez l'endroit, vous pouvez même faire une estrade, ou une barricade, ou un piège à con. Mais si vous ne savez pas du tout où ça arrive, vous devenez nerveux, vous regardez partout, vous prenez de gros risques. Il y a de gros risques, je vous préviens. Voyez ? Alors vous avez intérêt à regarder partout, vous aussi, pendant qu'on attend. Alerte, est-ce qu'il y a de pire quand on est sûr que ça va arriver? Nous sommes déjà assez nerveux, on est fatigué d'attendre, et puis il y a cette fausse alerte sur le côté gauche qui nous met tous sur les dents. Mais s'il y a une alerte, au moins qu'elle soit vraie. Bon, enfin, attendons. Remarquez, quelquefois, la fausse alerte soulage, non? Elle soulage de l'attente, parce que sinon, on ne fait qu'attendre. Et l'attente use notre croyance. On finirait par ne plus même croire que ça va arriver. Heureusement qu'on en est sûr, mais même quelque chose dont on est sûr, si on l'attend trop, eh bien, on y croit de moins en moins. Et alors, une fausse alerte, qui est exaspérante, c'est vrai, soulage, au moins un petit peu, de l'attente. À tort, puisque bien sûr il n'est rien arrivé. On croit que ça arrive, mais ça n'arrive pas, mais au moins il arrive qu'on croit que ça arrive. C'est toujours ça. Une bonne fausse alerte, une vraie fausse alerte, ça exaspère, mais ça soulage. Ouais. Enfin, au moins un temps, parce qu'après, bon ben, quand on a vu que la vraie fausse alerte était absolument fausse, qu'il n'est rien arrivé, ben, il faut bien se remettre à attendre que ça arrive, et sans savoir où ça va arriver, en plus. Voilà. C'est quand même bizarre. Hein. Peut-être que ça aurait dû arriver, là. Ou alors c'est arrivé ailleurs. Hein? Mesdames et messieurs, nous nous sommes tous trompés d'endroit. Ouais. C'est ça. Oui, écoutez, je suis vraiment désolé de vous avoir fait attendre pour rien. Tant pis, hein? Bon, ben voilà, tant pis. On essaiera de savoir si c'est arrivé ailleurs. Quoique ailleurs, ça soit grand, la vérification ne sera pas facile. Bien. Je vous tiendrai au courant. Voilà. C'est fini. Mais, excusez-moi. Découragé, hein. Vous avez vu, hein. Et là, pour vous voir tous, là, il s'est dit, c'est pas là. Je suis peut-être trompé, moi aussi. Vous êtes bien là pour moi. Je vais le requinquer. Je vais le requinquer, je crois que je vais lui filer une dose de Baudelaire. Pour voir, comme ça.
rien à faire. Rien à faire. On avait pourtant pris toutes les précautions. On avait inspecté les lieux. Vous êtes témoin. On avait pris tout notre temps. Mais c'est toujours pareil. Ça arrive toujours quand on ne l'attend plus. Quelquefois même, ça arrive quand on ne l'attend pas encore. Alors là, c'est le pire. Mais je ne l'ai jamais vu arriver quand on l'attendait, l'événement. Avant l'attente, ça arrive, oui. Après l'attente, ça arrive souvent. Mais pendant, vous pouvez toujours courir. Au bout du compte, quand on l'attend, l'événement, on perd son temps. Mieux vaut être surpris. Bon, c'est toujours un peu dur, la surprise de l'événement, mais comme c'est inévitable, n'attendons plus. À partir d'aujourd'hui, nous n'attendrons plus rien. Toujours ça de gagner. Bien. Alors à la prochaine. À la prochaine fois où ça arrive. Par surprise. Ahmed, philosophe de la poésie. Mais ne masticotez pas les bigoudis, s'il vous plaît. Ne me trébuchez pas la moelle. Ne me courez pas inopinément sur le haricot. Et ne me perturbez pas les zygomatiques une fois pour toutes. Et j'insiste. Ne me passez pas le râteau dans le sens contraire des poils. Je lis de la poésie. Et quand on lit de la poésie, il faut un silence total. Un silence tel que le son du poème soit comme des pattes de mouette sur le sable. Quand je lis de la poésie, je goûte la langue française. À propos de langue française, vous, les Français, vous l'avez apprise naturellement, la langue. Si bien que souvent, c'est du charabia. Parce que ça n'a rien de naturel, le français. C'est tout dans la précision et la syntaxe. Bon, vous dites souvent, « Oh ouais, oh c'est super !» Mais moi, Ahmed, j'ai dû apprendre la langue artificiellement et pas naturellement, de sorte que je lui suis bien mieux accommodé. Je ne dirai jamais « Oh, wow, on se sent pas !» Non, je dirai « Voilà un événement des plus considérables. » Beaucoup de Français diront « Oh, qu'est-ce que t'as fait que t'en tires l'autre soir ?» Tu peux répéter « Oh, qu'est-ce que t'as fait que t'en tires l'autre soir ?» Non. Non, moi je dirais, à quel usage destinais-tu ton véhicule lorsque je te vis sortir à la nuit tombée? Oui. Vous voyez, c'est comme celles qui disent, oh, mon mec se taille.
Mais c'est une honte de raconter son désespoir dans de pareilles termes. Si j'étais une femme, qu'Allah, le Seigneur Tout-Puissant, m'en garde, je dirais, hélas, celui que mon cœur avait élu a porté ailleurs sa flamme. Vous voyez, c'est... le génie de la litote, c'est ça le français, et l'alexandrin par-dessus le marché, et l'élu de mon cœur portait ailleurs sa flamme. Quand tout le monde parlera comme ça dans Sarge les Corneilles, la vie sera délicieuse. Bon, enfin, reprenons. Quand je goûte la langue française, quand je lis de la poésie, je goûte la langue française dans ma bouche de 10 heures comme un vin, un grand vin. Ah, le plus vieux et le plus délectable des vins coule du fait de la langue française dans ma bouche, jusqu'à ce que je sois ivre des mots et des phrases. Rien que le mot vin, tiens, ça dit pas mal de choses sur le vin. Et quand le mot vin entre dans la poésie, et c'est presque comme si on buvait selon l'unique force des mots. Écoutez-moi ça. Un soir, l'âme du vin chantait dans les bouteilles. Un soir, l'âme du vin chantait dans les bouteilles. Un soir, chanter, un chant de thé. Thé, chanter, chac. Chanter, dans les bouts. Le lait, boue, les bouts éteignent. Bon. C'est de chat, miaou, chalabo, de l'air. Ils s'en connaissaient, ils s'y connaissaient dans la transmission du vin par l'unique force des mots chat, miaou, chalabo, de l'air. Je ne m'en lasse pas de chat, miaou, chalabo, de l'air. Alors, cessez de me calamistrer l'occiput. Je lis de la poésie. Je lis le vin, les mots du vin sur la langue définitivement. C'est ainsi qu'à travers l'humanité frivole, C'est un cicatra, vers l'humanité, s'il vous plaît, l'humanité. Bon, on va la faire frire. Allez, voilà, on y va. L'humanité frit. Frit, vol. Bon, c'est ainsi qu'à travers l'humanité frivole, le vin roule de l'or éblouissant pactole.
Le vin roule de l'or éblouissant. Ok, alors, le vin, venez ici. Blue, venez aussi. Et monsieur Pack, s'il vous plaît. Très bien. Alors, le vin, très bien. Vous voyez l'or ici? Oui, je le vois. Eh bien, vous allez rouler l'or. Le vin roule de l'or. Le vin roule de l'or. Bon, très bien. Et Blue, oh là là. Oh là là, Blue. Blue. Oh, Blue. Blue, Blue. Blue, il sent. Éblouissant. Oh, éblouissant. Pâques, Pâques. Oh, je suis Pâques. Bien, Pâques, Toll. Bon, bon, bon. Pâques étant Toll, Toll, Pâques, Toll. Bon, bon, bon. Bon. Éblouissant. Le vin roule de l'or, éblouissant, Pâques, Toll. Parle, gosier de l'homme, il chante ses exploits. Parle, gosier de l'homme. Oui, je suis le gosier de l'homme. Alors, chante-nous tes exploits, gosier de l'homme. Oui, je vais les chanter. Je vais dire, et règne par ses dons, ainsi que les vrais rois. Et règne par ses dons, ainsi que les vrais rois. Pour noyer la rancœur et bercer l'indolence de tous ces vieux maudits qui meurent en silence, Dieu, touché de remords, avait fait le sommeil. Oh. L'homme ajouta le vin, fils sacré du soleil. Le premier qui prétend que ça n'est pas beau, gare à lui. J'en connais par-ci par-là qui disent que ben, des goûts et des couleurs, il ne faut pas discuter, chacun son opinion, tout est relatif en ce bas monde. Halte là ! Ce qui est beau est beau. On goûte. On goûte le vin sur la langue. La langue poétique du vin sur la langue. Et c'est mon dernier avertissement. Ne me tintinabulez pas les rotules. Je vous ai à l'œil. Ahmed, philosophe, trois, le sujet. Je m'avance masqué. Ah. Il y a un grand philosophe, un très grand philosophe, un immense philosophe qui a dit ça 3 siècles avant que je le dise moi, Ahmed. Je m'avance masqué. Bah, il le disait en latin. Larvatus prodeo. Larvatus prodeo. C'est une parole retentissante. Ça sonne pour des oreilles de théâtre comme une sentence tragique. Larvatus prodeo. Notez bien que je vous fais la politesse de ne pas le dire en arabe. Oh, mais certains petits malins diront qu'étant né à Aulnay-sous-Bois, il n'est pas sûr que je saurais traduire en arabe « je m'avance masqué ».
Traduire quelque chose comme Larvatus Prodeo en arabe, ben, ce n'est pas donné à la portée du premier venu né natif d'Aulnay-sous-Bois. Mais moi, Ahmed, je ne suis pas le premier venu né natif d'Aulnay-sous-Bois. Et la meilleure preuve, c'est que je suis parfaitement capable de traduire en arabe « Je m'avance masqué ». Ça se dit « Atak hadam motanat shahram ». Je peux le dire aussi un peu plus à l'est. Ou encore plus, jusqu'à l'extrême de l'Orient. C'est que moi, Ahmed, l'arabe, je m'avance devant vous réellement masqué. Ce n'est pas comme l'immense philosophe qui le disait en latin. Il aurait été bien infoutu de le dire en arabe. Bon, faut dire qu'il n'était pas né natif d'Aulnay-sous-Bois, il était né natif d'un bled de la Creuse, ce qui est piteux. Alors, question masque, il disait « Comme les comédiens, au moment de monter sur ce théâtre du monde, je m'avance masqué. » Comme les comédiens. Assez vite dit. Je serais bien étonné qu'il ait porté un masque, ce grand philosophe. Une perruque? Je ne dis pas. Ils portaient tous des perruques à son époque. Ils portaient tous des perruques à la mort-moelle nœud, et en dessous, ils étaient chauves, comme des boules de billard. Non, il devait être chauve, l'immense philosophe. Mais un masque, non. Je ne le vois pas avec un masque. C'est une blague, son « je m'avance masqué ». C'est une figure de rhétorique. C'est pour ça qu'il le disait en latin. Le latin était le masque du français, « larvatus prodeo ». Quand il disait « larvatus prodeo », il voulait dire « je mets un masque devant le fait que je m'avance masqué ». Ce qui pose une vraie question. Est-ce qu'on peut masquer un masque? Oui, alors, moi, Ahmed, qui suis réellement masqué là devant vous, est-ce que je peux masquer que je suis masqué? C'est pas moi. Bon, c'est concluant, non? Moi, je vais pas le faire, mais pour masquer le masque, le mieux, c'est de l'enlever. Mais ma figure nue, ce n'est pas ce qu'il y a sous le masque. Non. C'est quoi? C'est le masque, préalablement masqué, le masque en soi. Vous imaginez la complication? Alors, je m'avance vers vous, masqué par ma figure, et quand l'acteur met mon masque, en réalité, je me démasque. Bon, c'est compliqué, hein? À la fin, on ne sait plus où sont le masque du masque et le démasqué. Bon, alors, non, mais ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'il y avait sous le faux masque de ce philosophe, si tant est qu'on puisse savoir ce qu'est un faux masque. Puisque si le masque est une fausse figure, nous en déduisons qu'un faux masque étant une fausse figure est une vraie figure. Non? Vous me suivez? C'est difficile. Suivre celui qui suit ce qu'il n'est pas, c'est le théâtre. Bon. Alors, ce qu'il faudrait savoir, finalement, c'est ce qu'il y avait sous le masque ou le faux masque du philosophe. Eh bien, à la fin des fins, il y avait lui. Ben oui, mais vous me direz, lui qui? Ben, lui Descartes. Il s'appelait Descartes. Pas Débit ou Dépion ou des tapis verts. Non, non, non. Descartes. Le grand philosophe à la perruque, chauve sous sa perruque, à la mort-moelle nœud. Descartes, le plus grand philosophe chauve de tous les temps. Descartes! Bon, Descartes, il faut le reconnaître, a prononcé plusieurs sentences fameuses.
Tout en s'avançant masqué comme moi, il a opiniâtrement fait son chemin dans la parole comme moi. En particulier, il a dit « Je pense, donc je suis. » Ah, bon, bien sûr, il l'a dit en latin. Hein. Ben, c'était une manie chez lui de dire les choses en latin. Ben, le latin était son masque, son faux masque, enfin sa vraie figure, quoi. Alors, ça donnait ça. « Cogito ergo sum. » Je pense donc, je suis. Bien. Alors, est-ce que c'est vrai, ça? Je pense, donc, je suis. Hein? Supposez que là, moi, Ahmed, devant vous, réellement masqué, je pense que je... Mais c'est difficile pour moi de penser que je suis. Imaginez bien, comment est-ce que je peux dire je pense, donc, je suis, moi qui suis masqué? Parce que si je suis masqué, ça veut dire qu'est-ce qu'il y a? Où est le moi quand je suis démasqué? Je ne sais pas si vous me suivez là. Compliqué, hein? Bon, écoutez, comment peut-on masquer, être masqué, si je peux dire que je peux douter du fait que je sois masqué, car je ne suis pas ce que je suis, et je suis ce que je ne suis pas. Donc j'ai bien le droit de penser que je ne suis pas. Là, vous me suivez. Voyez? Et suivre celui qui suit ce qu'il n'est pas, là, on atteint peut-être le théâtre. Bon. Mais bon, d'accord. Alors, je pense donc je suis. Si je pense que je ne suis pas, comment est-ce que je peux dire donc je pense donc je suis? Voilà. Hein? Comment est-ce que je peux le dire? Mais c'est pas moi qui peux dire ça. Parce que c'est moi, quand je m'avance masqué devant vous, hein, eh ben, qui donc pense? Qui donc suit? Ahmed. Mais Ahmed, c'est une figure de papier. C'est une imagination d'Alain Badiou. Non, c'est un ectoplasme qui ne pense pas. Je peux donc dire, je suis et je ne pense pas. Bon, par contre, là, vous voyez ce corps? Est-ce que vous voyez ce corps-là? Regardez-le. Ah. Très bien. Vous avez vu, j'entends quand même. Je suis et j'entends. Bon. Mais ce corps qui est là, regardez-le. Vous voyez, voilà. Vous le voyez. Bien. Eh bien, ce corps-là, il pense. À chaque seconde, il pense à faire ceci, à faire cela. Il pense à se souvenir du diable de texte de l'auteur que j'essaie de vous réciter. Vous voyez? Ce corps, tout en sueur, ne cesse de penser à tout instant pour que je sois là. Alors finalement, un qui pense et ne suit pas, afin qu'il y ait devant vous un qui suit et ne pense pas. Voilà, c'est ça le théâtre. Lumière! To be or not to be, that is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slaves and rows of the tragic fortune, or to take arms against the sea of troubles. What's come the rain to stop the wound? What are you doing about climbing it? Ask you whether to be or not to be. Oh, bling, bling, bling. ありがとうございました。すみません。はい、その死ぬのはニャだ。私は僕は死ぬのはニャだ。ブン、アーブン、アーブンブン、ジャンバ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 ン。Oh, I died. ブンブンブン。Oh, I died. ブンブンブン。To be or not to be, that is the question. And
Friend, so blameable. I remember when I wrote in the big winter, cause when the wind blew, and the little boat in the blue car. Oh God, oh God, oh my God. Ben voilà. Et je pense donc je suis, même masqué en latin, cogito ergo sum, au théâtre, ça ne marche pas. Il s'est mis dans le sac, Descartes, ce qui ne m'étonne pas. Non, en réalité, si on veut être exact au théâtre comme en philosophie, c'est ça qu'il faut dire. Notez-le tous. Non, ça fera de l'effet au milieu des bavardages. Vous le ressortirez au moment du dessert et toc, tout le monde sera cloué. Écoutez bien. Là où je pense, je ne suis pas. Et là où je suis, je ne pense pas. Voilà. C'est un autre Larvatus Prodeo d'aujourd'hui qui a vu le point. Il s'appelait Lacan. Oui, non, pas Lacouin, Laou, Lamet ou Lascar. Non, non, non. Il s'appelait Lacan. Encore un masqué qu'on démasque. Oui, c'est que le masque, aujourd'hui, c'était un peu le sujet. C'était le sujet de la pièce. Bien. Je crois que nous avons fait le tour de la question. Je me retire. Je vous étire ma révérence. Je vais aller dans la coulisse, là où le corps ne pense plus. Là où le corps est sans penser. D'ailleurs, moi, Ahmed, vous me verriez dans la coulisse, vous ne me reconnaîtriez pas. Vous ne sauriez ni qui je suis, ni qui je ne suis pas, ni si je pense, ni si je pense pas. Non, non. Autant dire que dans la coulisse, il n'y a personne. Peut-être que de la pensée pure. Bon. En tout cas, la coulisse, c'est là où je vais aller maintenant. Parce que dans la coulisse, on peut dire qu'on est, mais qu'on ne pense pas. Et d'ailleurs, ce Descartes, d'où est-ce qu'il venait quand il s'avançait masqué? Du néant, de l'enfer, du ventre muet de sa mère? Allez savoir. En tout cas, moi, j'y vais maintenant, dans la coulisse, là où on est sous la scène, là où on est sous le masque, là où on est sous le sujet. Voilà. Et vous, pensez un peu. Soyez un peu, tantôt l'un, tantôt l'autre. Vous êtes démasqué. Et pour terminer, pour ce dernier séminaire, je voudrais, comme ça, au débeauté, avant d'aller dans la coulisse, vous donner la définition de la philosophie. Bon. La philosophie est exactement ceci. Une pensée dont tout le contenu réel est la pensée elle-même. Ou plutôt, les pensées. Car il y a des pensées très différentes les unes des autres. Il y a de la pensée dans les mathématiques, il y en a dans la poésie, il y en a dans l'amour, il y en a dans la politique quand elle existe, ce qui n'est pas très fréquent. Et la philosophie, c'est quand la pensée accepte de faire face aux pensées différentes. La pensée faisant face aux diverses pensées, voilà la philosophie. Et elle voit que dans la pensée, il y a ce qui arrive soudain, il y a ce qui dure, il y a les différents moments finis d'une sorte de construction infinie. Et dans la pensée, il y a de la joie, il y a de l'enthousiasme, il y a du bonheur, il y a du plaisir. Si bien que la philosophie, c'est aussi de faire face et place à la joie de penser. Si détestable soit le monde, et il l'est, il y a toujours un point en vous-même stupéfiant, inattendu,
presque pour vous-même étonnant, qui est le point de départ pour penser ce qu'il y a. Tenir ce point, le trouver et le tenir. La philosophie n'a pas d'autre but que chacun trouve son point et le tienne. Le point d'où vient en vous la ressource de la pensée et de sa joie. Le point qui est le point de vue. Le point qui fait que chacun peut inventer et non pas répéter, car la répétition est le chemin de l'imposture et de la douleur. Ne plus répéter, ne plus cuire dans son jus, être irremplaçable, non parce qu'on est soi-même, non, mais parce qu'on a trouvé en soi-même le point actif. Celui qui nous sépare de notre fatigue et de notre monotonie intime. C'est quoi la philosophie ? Cher Alain Badiou, la philosophie, c'est comme quand un soleil fend les nuages. Ou comme quand, après l'hiver, il y a le cri du premier oiseau. La philosophie est ce qui nous aide à interrompre la répétition. Alors, séparez-vous. Séparez-vous de vous-même. Et alors, avec ce réel en vous qui vous fend, il y a la pensée et la joie. Parfait. Debout, les mains. Debout, les mains. Tout a été dit, juste quand même quelques mots en transition sur l'immanence des vérités. En réalité, vous le verrez apparaître dans le plan qui vous a été donné. L'immanence des vérités s'avère finalement être centrée sur la question du rapport du fini à l'infini. Et d'une certaine manière, c'est ça qui donne à la fois son centre et son ordre aussi à ce livre. Si bien qu'on peut dire qu'il est en... Il se découpe un petit peu en quelque manière en trois moments. Le moment d'examen et de critique de la finitude, parce que je soutiens et j'essaie de justifier que toute oppression est en réalité une imposition de finitude. Et toute figure de l'oppression, quelle que soit cette figure de l'oppression, peut en effet, en dernière instance, s'identifier à la contrainte forcée d'obéir à des paramètres finis. Et on peut dire aussi que négativement, toute oppression est l'interdiction d'une figure neuve de l'infinité dont l'humanité est capable. De sorte que vous aurez un plan élémentaire dans ce livre qui sera premièrement, bon, après diverses
considération introductive qui sera une critique de la finitude et de ses différents avatars, comme par exemple l'identité, la répétition, la nécessité, la mort elle-même, et d'autres encore. C'est-à-dire tous les paramètres à partir desquels on essaie de convaincre l'humanité vivante qu'elle doit se protéger en restant intérieure à ce qui est son habitude de finitude. Et puis il y aura une deuxième partie qui envisagera la question de l'infini d'abord en tant que pensée. Où en est-on au fond aujourd'hui de la question de l'infini? Et là, il faudra bien passer par le fait que, de façon totalement inconnue, en vérité, ou largement inconnue, il y a eu dans les 30-50 dernières années des progrès et des inventions extraordinaires concernant l'infini. Une fois que l'infini a été soustrait à la religion, et une fois qu'il a cessé, au fond, d'être un des noms possibles de la divinité, il est tombé, si je puis dire, dans le champ des mathématiques, avec Cantor, le premier, et dans ce champ, il s'est révélé une variété incroyable de déterminations infinies, un système extrêmement complexe d'ascension d'infini de plus en plus puissant, des approximations de l'absolu par des types d'infini qui en témoignent, etc. Et je suis très frappé que ce continent mathématique entier soit pratiquement pour l'instant réservé à une très petite, à vrai dire, oligarchie de spécialistes, alors que là se trouve, comme j'essaierai de le montrer ensuite, là se trouve le secret de toutes les figures possibles de dépassement de la finitude, justement. C'est là qu'on voit que le dépassement de la finitude, ça n'est pas simplement, ni même réellement, la supposition qu'il existe, par exemple, un être infini, transcendant, extérieur à notre modalité d'existence. Non. La possibilité de dépasser l'oppression par la finitude, c'est toujours le repérage dans la situation elle-même des nouveautés infinies qui y sont à l'œuvre et le découvrement de ces virtualités. Donc, après l'étude systématique du fini, viendra une étude alors systématique, conceptuelle, de l'infini ou des infinis, car c'est bien la pluralité des infinis qui va être le ressort même du dépassement de la finitude. Ce sera en gros le deuxième mouvement du livre. Et puis le troisième mouvement du livre, ça va être de montrer que tout cela s'applique effectivement à l'intelligibilité des procédures de vérité. C'est-à-dire que tout cela explique pourquoi et comment il peut y avoir de la création artistique véritable, la création qui infinitise les ressources formelles disponibles, qu'il peut y avoir de la création scientifique, naturellement, c'est-à-dire la pénétration dans l'infini de la discursivité scientifique de notre perception du monde, qu'il peut y avoir une infinité amoureuse, c'est-à-dire une dialectique infinie de la relation à l'autre, et qu'il peut évidemment y avoir aussi une infinité politique, c'est-à-dire une vision de la politique qui se surélève par rapport à ce qui semble être les contraintes immédiates de caractère économique ou social. Alors tout cela n'est intelligible que si on assume à la fois une critique radicale des figures d'oppression par la finitude d'un côté et de l'autre la souveraineté possible des figures de l'infini tels que on les découvre dans la deuxième partie. Voilà. Alors maintenant nous allons quand même retourner au théâtre. maintenant que vous savez qu'est-ce qu'il y a dans l'immanence des vérités, laissez tomber, retourner au théâtre. Et ensuite nous aurons le monologue d'Ophélie par une amie mexicaine, Susana Berkovitch, qui est psychanalyste de formation et de métier, et qui est aussi professeure à l'Université de Mexico, et dont j'ai souhaité qu'elle soit à la fois quelque chose venu d'ailleurs, vraiment, de très loin,
de cette espèce de mélange étrange qui a pu se présenter, en particulier au Mexique, et qu'on pourrait appeler la pénétration latino-américaine de la psychanalyse, enfin l'instance latino-américaine de la psychanalyse, qui a une singularité tout à fait frappante, d'autant que nous ne pouvons qu'y être sensibles d'un point de vue patriotique, parce que c'est quand même de façon essentielle l'enseignement de Lacan qui a constitué l'horizon de la psychanalyse latino-américaine, ça d'un côté, et de l'autre, une espèce d'horizon de théâtralité particulière qui aussi évoquera ces contrées. Donc, le monologue d'Ophélie par Susanna Berkovitch, maintenant, après 10 à 15 minutes de mise en place pour vous reposer.